Ok. Donc une fois que tu as compris ce concept-là, tu as plié le game. Et c'est pour ça que les gens, ils sont vénères après les riches, parce qu'ils ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. Si tu sais comment l'argent fonctionne, tu ne peux pas être vénère après un riche. Tu ne peux pas genre dire, oh les salauds, salauds de riches, etc. Parce que tu sais exactement comment fonctionne l'argent, tu sais qu'est-ce qu'il a dû faire pour pouvoir gagner cet argent-là. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Mets un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. C'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Hein, c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même, tu vois. Je te montre vraiment toutes les étapes pour que. Où je te montre comment j'ai fait les 20K. Je te dis pas que tu feras les 20K aussi, mais en tout cas, si tu fais ce que je te dis dans la formation gratuite, forcément tu feras d'argent, ça c'est sur l'argent. Bref, et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Donc voilà, et plus tous les bonus complémentaires qu'il y a sur l'immobilier, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, crypto-monnaie, sur personal branding, e-commerce. Bon. Je t'ai mis la totale. Donc si tu es intéressé par rapport à ça, tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Pareil, tu peux m'avoir rendez-vous offert avec un membre de mon équipe, gratuit offert. Normalement le CPF a repris. Donc prends rendez-vous et puis demande à celui que tu auras au téléphone si jamais le CPF il a repris. Mais normalement ça a repris quand tu verras cette vidéo. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à dans 4 ans, aujourd'hui pétro technique. Voilà, ça fait plus de quoi 3 ans, 4 ans que je voyage aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je suis en Colombie. Et peut-être quand tu verras la vidéo, je serai ailleurs. Mais voilà, pour ça, pour te dire que ben, on a charbonné, c'est pas magique. Faut juste se donner les moyens en fait, c'est tout. Si tu fais rien, il va rien se passer. Hein, pas d'excuses, j'aurais dû arriver dans 4 ans, j'aurais dû être technique, blablabla. Arrête de chialer. Si tu fais rien, il va rien se passer, passe directement au sujet de la vidéo. Du coup, je suis sorti un petit peu parce que là, je suis dans un appartement, il n'y a pas de lumière dans l'appartement. Ça m'énerve, ça, les gars. Hein, j'ai voulu changer, j'ai dit, vas-y, j'ai déjà payé, je vais quand même rester. Bah, c'est pas grave. Donc du coup, je voulais te parler par rapport à l'argent. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que gars, au niveau de l'argent, en fait, c'est pas étonnant que la majorité des gens sont pauvres et ne s'enrichissent pas. Et au contraire, ils s'appauvrissent plus le temps passe. Alors que ça doit être le contraire. Logiquement, ça doit être le temps qui devrait jouer en ta faveur et te permettre de t'enrichir. Même si tu n'es pas millionnaire, mais en tout cas, tu devrais t'enrichir avec le temps normalement, si jamais tu as la bonne connaissance. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, ça, c'est des choses qui ne sont pas enseignées dans nos écoles. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un complot? Je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas à leur avantage et qu'ils préfèrent avoir des employés pour pouvoir les taxer? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas comment fonctionne l'argent, pas du tout. Et forcément, si jamais tu ne sais pas comment fonctionne l'argent, en plus de la psychologie de l'argent, c'est-à-dire la relation que tu as avec l'argent, mais le secret que je vais te partager, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, le secret que je vais te partager sur l'argent, peut réellement tout simplement changer ta vie, tout simplement. Et en réalité, si jamais aujourd'hui tu ne sais pas comment faire de l'argent comme moi avant, eh ben c'est pas de ta faute en fait, à moins que tu aies eu des parents, parce que nos parents en fait ils t'enseignent, c'est eux qui t'ont tout appris en fait par rapport à l'argent. Tu fais par rapport à ce qu'ils t'ont appris, ok? Donc tes parents, à moins qu'ils soient riches, ils t'enseignent ce que eux ils savent sur l'argent. C'est à dire que si tes parents aujourd'hui ils sont des gens qui gagnent un salaire moyen, tu as reçu une éducation financière d'une personne moyenne, pour entre guillemets pauvre quoi en fait. Donc si tu reçois des conseils de pauvres, c'est normal que le résultat et les actions que tu vas mettre en place par rapport aux informations que tu as, tu vas avoir des résultats de pauvres. Tu vois, je veux dire, on a le respect pour les parents, etc. Mais nos parents ils savent pas tout sur tout. Ils essaient de donner le meilleur avec ce qu'ils ont, mais voilà, tu vois. Donc même par mon business en ligne, quand j'ai commencé à faire de l'argent, en fait j'ai fait de l'argent sans comprendre. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de l'argent, mais je ne savais pas ce que je faisais. C'est 2-3 ans après que j'ai compris. C'est d'où la force des formations et de ne pas réfléchir aussi et de juste faire ce qu'on te dit de faire. Tu suis la formation pas à pas. Je faisais des copier-coller en fait. J'ai pris plusieurs formations, j'ai fait des copier-coller et je faisais de l'argent. Mais c'est 2-3 ans après, j'ai compris réellement ce que j'avais fait qui m'avait permis de faire de l'argent. Donc, première erreur que les gens font, c'est qu'en fait, ils se disent dans leur tête, ok, pour que je fasse de l'argent, il faut que je travaille plus, il faut que je fasse un business pour pouvoir faire plus d'argent. Et c'est pour ça qu'après, les gens, ils sont vénères
par exemple, quand ils voient des riches, par exemple, qui réussissent à faire de l'argent, ils ont l'impression que les gars, ils travaillent pas. Parce que les gens, ils associent genre, je travaille plus, je vais gagner plus. Alors, on sait tous que c'est faux. Donc, le concept qui est important de comprendre et que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que, en fait, tu ne fais pas d'argent. D'accord? Tu ne gagnes pas d'argent parce que tu crées un business. Alors, oui, mais pas vraiment. Tu ne gagnes pas de l'argent parce que, genre, tu travailles plus. Tu gagnes de l'argent parce que les gens vont te donner de l'argent. Donc, je sais que j'ai déjà utilisé plusieurs concepts sur l'argent suit l'attention, mettez-vous sur le chemin de l'argent, allez là où il y a de l'argent. Mais en vérité, c'est plein de concepts. Plein de concepts, tout ça pour dire un truc simple. La seule façon pour pouvoir gagner de l'argent, c'est que quelqu'un, il vienne, il te donne de l'argent. Il y a pas, ça, l'argent, ça ne se crée pas. Il n'y a que la banque, enfin, il n'y a que la grosse banque là qui crée, qui imprime des billets comme ça, qui crée de l'argent. Il n'y a que la banque qui peut faire ça. Sinon, l'argent, ça fonctionne simplement. C'est des gens qui te donnent de l'argent. C'est tout, point. Il n'y a pas d'autre façon. Une fois que tu as compris ça, tu dis ok. Donc maintenant, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui se prennent pour des entrepreneurs parce qu'ils ont ouvert une société. Enfin, t'es pas l'entrepreneur, tant qu'il n'y a pas. À combien de personnes tu as demandé de l'argent aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. À combien de personnes tu as demandé de l'argent aujourd'hui? C'est tout. Et une fois que tu as compris ça, ça va complètement changer ta perception en fait. Et tu imagines bien que tu ne peux pas leur demander de l'argent sans rien en retour. Donc c'est ou tu leur donnes un produit en échange et tu prends une marge, ou tu leur proposes un service et ils te payent pour ce service-là. Et de plus de personnes à qui tu vas demander de l'argent, de plus de chances tu auras des gens qui vont te dire oui, ce qu'on appelle le taux de conversion, et de plus tu feras de l'argent. Enfin, tu feras de l'argent, tu gagneras de l'argent. Donc ça, c'est un truc qui est la base en fait. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris en fait. Après, il y a plein d'autres concepts aussi dont on pourrait parler. Si tu veux que je fasse une vidéo par rapport à ça, n'hésite pas à me dire et je te dirai tous les concepts que moi je connais par rapport à l'argent. Et que si tu as, bah, tu ne peux que t'enrichir avec le temps. Tu peux pas, je ne vais pas dire que tu vas devenir millionnaire, mais tu ne peux que t'enrichir normalement avec le temps. Tu ne peux pas, tu ne vas pas t'appauvrir. Tu ne peux que t'enrichir. Ça veut dire avoir plus d'argent sur ton compte à chaque fois, tous les mois. Donc ça, c'est la base de l'argent et c'est 87% de la population n'est pas au courant de ça. Si tu veux de l'argent, ça ne tombe pas du ciel l'argent. Ce n'est pas parce que tu as créé un business, tu as ouvert une société en SAS ou je ne sais pas quoi que tu vas gagner de l'argent. Tu gagneras de l'argent au nombre de personnes à qui tu vas demander. C'est les gens qui vont te donner de l'argent. Donc c'est pour ça que tu apprends comment influencer. C'est pour ça que tu apprends le marketing parce qu'il faut que un maximum de personnes te connaissent. Et plus tu auras de personnes qui vont te connaître, plus tu pourras leur demander de l'argent. Ok ? Évidemment, en échange de services. Et c'est pour ça que moi, j'aime les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, en fait, te permettent de te faire connaître à un maximum de gens. Et donc, du coup, de demander à un maximum de personnes. Et sur toutes les personnes, il y a des gens qui vont acheter ton produit. Parce que plus tu vas demander à des personnes de l'argent, plus il y a des gens qui vont te donner de l'argent, plus tu vas en gagner. Ok ? Donc, une fois que tu as compris ce concept-là, tu as plié le game. Et c'est pour ça que les gens, ils sont vénères après les riches. Parce qu'ils ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. Si tu sais comment l'argent fonctionne, tu ne peux pas être vénère après un riche. Tu peux pas genre dire oh les salauds de riches, etc. Parce que tu sais exactement comment fonctionne l'argent, tu sais qu'est-ce qu'il a dû faire pour pouvoir gagner cet argent-là. Tu vois, je connais aucune personne qui gagne bien sa vie, en tout cas qui est entrepreneur, qui est vénère après un riche. Au contraire, tu as du respect. Tu dis waouh, ça t'inspire, comment il a fait. Tu vois, les gens sont trop dans l'émotion, ils agissent par émotion. Essayez de voir quelle information vous pouvez tirer. Tu vois. Essaie de voir quoi, enfin, comment il a fait, t'intéresser, tu vois. Et après, si tu veux, tu pourras te baser sur tes émotions. Ah, lui, je l'aime pas, lui, je le préfère. Et voilà. Et pour l'instant, les gars, tout le monde est broke. Donc, restons concentrés, les gars. Hein, restons concentrés et voyons okay, comment il a fait pour pouvoir faire plus d'argent. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, et de me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. Mais oublie tous les trucs de travailler plus pour gagner plus, machin. Si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, c'est que tu demandes à personne de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as Pirate Marketing, t'as l'étude de cas. Déjà, commence par l'étude de cas si jamais tu viens de me connaître. Et puis les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je vais être au camp.